Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu par le titre de la vidéo, on va changer mes cheveux. Donc ça c'est mes cheveux avant, donc ça c'est mes cheveux maintenant au fond. Vous voyez, j'ai comme des restants de jaune, blond, brun plus clair, je sais pas, j'ai tout mélange de couleurs. Ça c'est ma couleur naturelle, je l'ai pas teint depuis l'année passée ou le début de l'année 2022, donc que j'avais les cheveux comme blonde, comme ça, au fond. C'est ça qui reste du blond au fond à la fin ici. C'est tout ce qui reste. Tout ça, ça a comme repoussé en fait durant 2022. Puis je me suis coupé la frange, comme vous pouvez voir aussi. Mais là maintenant, en fait, je les ai pas coiffés, je les ai pas lavés. Comme vous pouvez voir, je suis un petit peu enrhumée. J'ai eu toute la semaine, j'étais malade. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Puis j'avais trop hâte. Hier soir, j'ai eu un coup de tête. J'ai dit, je veux changer mes cheveux. Je suis tannée. Donc, en fait, je suis vraiment très inspirée. Je sais pas vous, mais moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Vous le savez. Puis, je sais pas. Ce temps-ci de l'année, c'est comme je sens cosy, puis ça m'inspire tellement pour faire mes cheveux une différente couleur. Donc la couleur en fait est inspirée par l'automne. Et puis j'ai décidé d'aller avec des cheveux d'automne. Donc c'est comme un salaire vraiment rouge sur l'appareil, mais en vrai c'est la couleur châtain cuivré rouge. Donc c'est un rouge un petit peu brun, un petit peu caramel, c'est un mélange en fait. En fait, j'étais entre celle-là, la couleur, ou un rouge très profond, très un rouge vraiment, pas un rouge vif, mais genre un rouge vin, un genre de rouge vin, vraiment foncé au fond, un peu plus foncé, un rouge très foncé, ou celui-là. Je sais pas ce que ça va donner en fait, j'ai aucune idée du résultat. Donc première des choses que vous avez besoin pour faire la coloration chez vous, c'est un vieux t-shirt. Donc j'ai un vieux t-shirt tout que j'utilise pas, qui est comme voilà, qui est tout vieux, utilisé, usé. Et puis vous aurez besoin aussi des gants, mais ça vient à l'intérieur ici. On verra bien, je suis nerveuse car d'habitude c'est mon mari qui fait mes cheveux. Donc je pense que c'est la première fois que je vais me teindre moi-même, vraiment, toute seule, à 100%. Donc je vais mélanger la couleur, je vais mettre les gants et puis je commence. Je ne sais pas d'où je commence vraiment, mais on verra au fur et à mesure. L'important c'est de mettre de la couleur sur tous les cheveux. Donc on va voir ça, j'ai un miroir juste ici, donc si je regarde par là c'est pour ça. Puis je vais utiliser la caméra comme miroir, donc voilà. Alors sur ce, je vais juste mélanger la couleur et puis je vous reviens. Puis on commence à teindre les cheveux. Oh my god! Je suis nerveuse un petit peu, je vais juste faire comme mon chandail est vraiment, vraiment vieux. Comme vous pouvez voir, il est usé, il est comme un peu grand. Donc je vais juste prendre une petite pince comme ça, voilà. Bon! Là, je suis correcte. Donc, ça, c'est la couleur avant. Je vais juste vous montrer avant. Je ne sais pas si ça se voit sur l'appareil. Voilà. J'ai coupé mes pointes, mais je pense que ça se voit même pas sur l'appareil. Ça fait environ deux, trois semaines que j'ai coupé mes pointes. Okay. Donc, je commence. Donc, je vais diviser, je pense, mes cheveux. Faire les cheveux qui sont en bas en premier. J'ai des petites pinces comme ça. Je commence de ce côté. Ouais. Ouais, je commence de ce côté. Donc, j'ai fait le mélange. Voilà. Je commence. Donc, je mets sur mes gants. Et je commence à l'appliquer. Ça sent bon. Je vais essayer de ne pas mettre trop comme sur mes racines parce que je veux pas que ça me picote. J'aime pas vraiment la sensation, mais quand même il faut que ça soit couvert partout, donc au pire on va comme revenir plus tard là. Juste regarder le miroir en même temps. Je sais pas comment je vais faire en arrière.
on verra ça. Ça va marcher. Je sais qu'il y a rien. Et on continue. Juste une première couche partout. Ensuite, je vais repasser. Ici en avant, c'est plus facile après. Parce que je vois ce que je fais. C'est plus en arrière, je trouve que c'est difficile. Chance que j'ai pas de longs cheveux. On va dire que j'ai mis un petit peu partout. Là, je vais prendre une brosse que j'en ai. Je vais juste mettre en avant ici. Je vais faire de l'autre côté. Même chose avec la brosse.
je vais mettre sur mes mains encore. Je vais passer en matière. L'air de prendre bien bien. Je vais tout mettre la peinture, la teinture. Je vais mettre directement. Je vais mettre sur les bouts parce que c'est là que j'en ai comme les blancs. Même si ça fait comme un genre de rouge foncé, moi je vais être contente pareil. On verra ce que ça va donner. On verra. Ah, je peux voir que je me suis fait une tache. On dirait un bouton, mais c'est une tache de peinture. C'est drôle. Donc je vais me tourner pour que vous voyez, mais moi je vois pas. Là, j'ai mis un petit peu ici, je vais juste le pousser en avant. Il m'en reste quand même ça, jusqu'ici, tout ça. Il m'en reste beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai bien fait. Il ne devrait pas m'en rester. J'arrête. Même si j'ai pas fini la peinture, là j'ai vraiment mis partout là. Je me sens complètement mouillée comme ma tête est complètement mouillée. Donc là j'enlève les gants. Les gants sont devenus rouges en passant. Oh my god! Ok! Je me suis mis sur mon pantalon. Ça c'est drôle. Mais sinon, c'est pas si pire, je vais me nettoyer ici et là. Où est-ce que j'en avais, mais c'est pas si pire. Regardez, ça commence à rougir. Donc il faut, je vais mettre mon alarme 30 minutes. Il faut que j'attende 30 minutes. Puis me laver les cheveux. Donc ça sera pas long, 30. Voilà, donc on a mis le compte à rebours. Donc il faut que j'attende 30 minutes. Ensuite je vais me laver. Moi je me lave dans la douche, avec la douche. Je trouve que c'est plus simple. On va attendre 30 minutes, je vais aller me laver. Puis je vous reviens pour vous montrer de quoi ça a l'air. Croisez les doigts! Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Mais regardez, ça commence un petit peu. Je ne sais pas si ça se voit sur la paille. Ça commence à rougir vraiment. Je ne sais pas, est-ce que ça va être roux? Est-ce que ça va être rouge? Est-ce que ça va être brun, rougeâtre? Est-ce que ça va être rouge, rousse? Je ne sais pas. On verra. Donc, j'attends 30 minutes. Je vais aller me laver. Je vais me changer aussi. Puis ensuite, on va voir le résultat final. Salut les amis, on se retrouve environ 45 minutes plus tard. Le temps qu'on a attendu 30 minutes, plus me laver les cheveux. Donc là, vous êtes prêts? On va découvrir le résultat ensemble. Mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ça n'a pas l'air rouge, mais on va voir. Donc... Oh! Ok, ok, je m'attendais pas. Là, c'est mouillé, mais c'est comme un rouge vraiment subtil. Ouais, j'aime ça. C'est pas trop flash ou trop dérangeant. Donc là, je vais un peu le sécher pour voir la couleur, mais c'est comme foncé, rouge foncé. Oh my god, c'est rouge foncé un petit peu. Je sais pas si c'est rouge. Vous voyez, il y en a comme des petites rougeurs.
Avec le soleil, on va plus le voir. Donc, je vais juste me sécher vite, vite avec une séchoire. Puis, on va voir le résultat final. Alors, je les ai séchés. Ils sont un petit peu mouillés en bas. Mais voilà, c'est ça que ça donne. C'est comme un ton. En fait, ce que je voulais, c'est comme brun rougeâtre, un peu comme un teint rougeâtre. Je ne sais pas si ça se voit sur l'appareil encore une fois. Mais je pense qu'il y en a des endroits où est-ce que j'ai mis plus de la teinture que sur d'autres endroits. Mais en général, j'aime bien pour le ton. J'adore ça. C'est trop cool. Puis ça fait du bien, comme juste un refresh. Juste nous sentir bien. Oui, c'est ça. C'est comme un ton brunâtre, rougeâtre un peu, avec une teinte rougeâtre. Ah, c'est trop cute! Donc, c'est ça que ça donne. C'est sûr que quand vous achetez à la pharmacie les peintures, c'est sûr que ça donne jamais sur ce qui c'est indiqué sur la photo. Il faut toujours prendre ce que je me suis rendu compte, mettons, avec les blonds. Si vous voulez devenir blonde, vous devez prendre trois teintes plus claires pour devenir un blond plus foncé. C'est caramel un peu. Donc le rouge c'est un peu la même chose, je pense, toutes les couleurs. Il faut que vous preniez vraiment le plus clair pour que ça ait un impact sur les cheveux. Mais je voulais pour de vrai un rouge vin, comme je vous avais dit au début de la vidéo, un rouge foncé, moi je serais heureuse. Donc je pense que, en fait, je pense qu'avec les plus je vais le laver, plus ça va un peu éclaircir. J'ai remarqué que dans les 2-3 prochaines semaines après qu'on se teint, ça comme ça éclaircit avec le temps. Donc je pense que ça va éclaircir puis ça va donner un beau teint rougeâtre à mes cheveux, naturel en même temps. C'est rien de ouh criant, c'est loin d'être qu'on flash, qu'on wouhou. Donc mais j'aime ça, c'est discret et c'est mignon. Puis ça ajoute, je trouve, de la chaleur, de la douceur dans mes cheveux. Puis je pense que ça va bien avec mon teint aussi. Là, j'ai zéro maquillage, mais je pense qu'avec un bon maquillage, avec un beau lipstick rouge vin vraiment foncé, ça va être vraiment beau sur mes cheveux. Mais on verra ça. Donc voilà, ça c'est le résultat. Comment vous trouvez? Je pense qu'avec le soleil, on le voit plus. Ouais, avec la lumière, je pense à la lumière, on le voit vraiment plus ici. Je pense que là, avec la lumière, vous voyez, la lumière du soleil, on le voit vraiment. Oh, c'est mignon, mais c'est comme discret, comme je vous dis. C'est rien de flash, fait que j'aime bien ça. Là, j'ai pas coiffé mes cheveux, je les ai juste vite, vite séchés pour voir les résultats. Mais je trouve ça beau, pour de vrai. Je trouve ça. Donc, vous, est-ce que vous aimez ça? Vous allez me dire dans les commentaires, likez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos de cheveux. Oui, j'espère que vous avez aimé. Je suis désolée, je joue dans mes cheveux, mais j'essaye de voir la couleur. Alors voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et puis moi, je vous dis à ma prochaine vidéo. Gros bisous. Bye.